C'est vrai. Il y a un nouveau trailer qui est sorti. Bon, on va le regarder tout de suite. Hein. C'est donc maintenant l'heure du trailer gameplay pour la prochaine extension Grandir Ensemble sur les Sims 4 qui sortira le 16 mars. Écoutez, c'est parti. Moi, je vais le découvrir aussi. In the picturesque neighborhood of Hopewell Hills, we find the Michelsons. A recent addition to the family has instigated an unexpected and uninvited guest, the doting grandparent. Tonight, we'll use this temporary stay to explore the family dynamic, the milestones that define one's life, the personalities that can connect us or push us apart, and how all of it is simply a matter of perspective. Let's first examine the married couple's reaction to Celeste's father's unannounced arrival. Fortunately, their family dynamic is set to close, as if hand cooked for them. This relationship setting, if you will, has stood the test of time, thanks to the social compatibilities they share. Ah non, qui nous vendent pas le nouveau crack-crack alors qu'on l'a déjà. The joy they have for Orion joining the family, and they seem to be genuinely embracing Sebastian's help in growing their family together. Sebastian is very protective of his daughter, which is why he's even more critical of Christopher. There's nothing wrong with Christopher, per se. He and Sebastian just have different interests and ways of expressing themselves. Ils sont complètement c'est pas mal ça. Ça c'est pas mal du tout. On va pouvoir avoir des comptabilités et ou pas des opposés et que genre des signes ont vraiment pas s'entendre quoi. Enfin, j'ai envie de dire. Il aurait pas fallu quand même attendre une extension. Autant d'années, 9 ans après la sortie du jeu, c'est abusé quand même. Sister difficult. Oh purée! Ah oh, non, c'est dégueulasse, wesh! Mais quel enfer, les gosses, non mais. Wow, ça me dégoûte, moi personnellement, je suis désolée, Dark. Atlas. Ça va être terrible, hein. De moi jouer avec ça, ça va être terrible. Attendez quoi, il va avoir un nouveau câlin? Oh la vache. He has always had a great relationship with his grandpa Sebastian. These two troublemakers might as well be the same person. And as far as Atlas is concerned, this old jokester has come to play with him, not the enemy. Bark. The family dynamic is not something easily defined. But growing mais là, il fait un câlin à sa petite sœur. Hein. C'est bien, il y aura des jeux quand même avec les machins, là. Donc c'est pas mal. Oh, la cabane. Non, c'est cool, en vrai, ça donne envie. Bien sûr, avec les trois objets qu'on propose avant la sortie, et si vous voulez avoir les trois objets exclusifs, eh ben, il faudra l'acheter avant le 27 avril. Voilà. Hopewell Hills. Alors, bon espoir, les collines de bon espoir. Ok, donc on voit déjà une première petite map. Ici, ça doit être le truc parc aquatique, là, ou je sais pas quoi. Des maisons fausses, hein, pour la plupart. Peut-être celle-là, limite, qui est vivable. Avec des canards qui volent. On pourra peut-être les shooter. Alors, petite maison, qu'est-ce qu'il y a de nouveau? On a la cabane ici. A priori, des nouvelles fenêtres, donc les colonnes, ça on l'avait vu, la rambarde, ouais, qu'on voit bien ici, hein, avec les vieux qui font de la marche rapide ou quelque chose dans ce genre-là. Alors, on a les trucs pour bébins, là, plein de machins, des bidules. Les plantes, elles vont être incroyables, je pense. Les grandes fenêtres qui vont être très cool, nouveau comptoir de cuisine, nouvelle chaise, lampe, tout ça. Bon, en vrai, je pense qu'à part la coccinelle, le tas d'ordures. Et ça, là, ces trucs-là, le truc-là, le truc de mug. Il y a quand même pas mal de nouveautés ici. On voit la clôture ici d'une autre couleur. Barbecue, il ressemble déjà à celui qu'on a. Voilà, il y a pas mal de nouveautés. On voit bien le papier peint derrière qui est nouveau. Un bout de plante, ça, je pense qu'on l'a déjà. On voit bien la coiffure de la demoiselle ici. Ses boucles d'oreilles sont nouveaux. Oh, la coiffure, elle est très très cool. Elle est très bien faite. Ici, on voit la magnifique plante. Hein, celle-là, vous allez la bouffer aussi. Oh, des petites sculptures trop mignonnes avec des buildings et tout. Ah, c'est sympa. La lampe est cool aussi. La nouvelle bibliothèque, fauteuil, tout ça. Très très bien. Et puis derrière, on voit la cheminée. Quoique la cheminée dit quelque chose. Elle ressemble à l'un des kits qui est sorti il n'y a pas de temps, j'ai l'impression. Des jeux. Le machin là, au milieu, avec ses lunettes.
Voilà. Ça, c'est très sympa. Je sais pas si c'est un truc en un morceau ou pas. J'aime beaucoup les fenêtres. Même les fenêtres là sont très sympas. À mon avis, il va y avoir des teintures. Enfin, ça sera teinté un petit peu, je pense. Ça va être très sympa. La lampe est pas mal. La lampe est pas mal. Encore un tapis ici. On voit qu'ils ont mis... ils ont mis le paquet pour ce trailer, dis donc. Ils ont mis des photos de famille et tout. Là, ils ont voulu vraiment personnaliser le truc. Là, bien sûr, la porte est nouvelle également. Et là, c'est papy. Et on voit la porte de l'autre côté qui a un peu de volume et tout ça. Et on voit le... derrière, là, une fausse ville, évidemment, à travers un lac. Bien sûr, pêcher, j'imagine. Et du coup, il est venu avec sa valise, le mec, là. On la voit, la valise. On voit mieux les petites sculptures. Enfin, si vous n'y avez pas ma tête devant. Voilà, on les voit mieux maintenant. Le tapis est très beau, je valide. On a aussi un tapis pour gamin, là. Pour mini truc, c'est-à-dire que ça fera ses saletés sur le tapis du sur le tapis. Double tapis. Vaut mieux ça, vu les machins qu'elle a l'air de faire. Vaut mieux ça. On voit la petite valise et tout. D'ailleurs, il y a un faux raccord ici, j'ai l'impression. D'ailleurs, il y a l'air d'avoir un nouveau type de miroir, un peu en rotin. Et le meuble est très sympa aussi. Donc ça, c'est très très cool, parce que on peut déjà définir, dans nous, quand on crée un foyer, dans créer un Sims, savoir si c'est déjà l'épouse, ou la fiancée, ou sa sœur, ou sa mère, et compagnie. Et là, on pourra effectivement mettre, eh ben... un adjectif sur le type de relation, s'ils sont distants, s'ils sont jokester, je sais pas ce que ça veut dire, je sais pas, des potes. Ça c'est cool parce qu'on pourrait vraiment créer du drama dans les nouvelles familles, par exemple des sœurs qui se détestent et compagnie quoi. Ça pourra enfin créer du vrai drama, en espérant bien sûr que ce soit pas superficiel et que ça a un réel impact sur le gameplay. On voit ici une lampe, un miroir, on voit également les rambardes de l'escalier qui sont plutôt cool. Nouveau piano, très sympa, très coloré. Ce sera peut-être en pleine rue. Ce serait très bien, un peu comme les Play Me I'm Yours qui avaient... d'ailleurs, je crois que ça existe encore. Des pianos qui sont placés dans les gares et compagnie et que n'importe qui peut aller jouer. Et certains artistes y jouent et c'est très sympa et ça donne une très très belle ambiance. Il y a l'air d'avoir un cinéma. Ça, un cinéma ou un théâtre, mais je pense plus à un cinéma. Donc vous voyez que c'est un trou de lapin, on le voit rien qu'aux fenêtres, on le voit. Mais ça rappellera un peu la vibe Sims 3 à Sunset Valley, où ben, y a ça, et aussi c'est un trou de lapin dans les Sims 3, hein, parce qu'il faut pas oublier non plus que dans les Sims 3, il y a plein mal de trucs qui sont des trous de lapin. Donc assez cool, peut-être une nouvelle activité, peut-être à nouveau le crac-crac, un lieu de faux rendez-vous, on sait pas. Ici, j'espère qu'ils vont pas nous vendre le jacuzzi et le crac-crac dans le jacuzzi comme nouveau crac-crac, parce que moi j'attends le nouveau crac-crac, et les là où lui a une nouvelle mort. Oui, je les attends très fort. Oh, je l'avais pas vu ce rideau incroyable derrière avec la lampe, le canapé, tout ça. Et puis, ils sont proches, ils sont mariés. Je sais pas, on dirait des systèmes de souvenirs aussi peut-être. Ah, du coup, on a vu la robe de mariée, le costume. C'est très mignon. Le petit bébou. Ah, bah ça, c'est le plus grand. C'est le garçon arrivé avant. Oh la vache, il fait peur le machin là. Oh. On voit nous le nouveau rideau dans une autre couleur, un papier peint, peut-être qu'on l'a déjà celui-là avec les dinosaures en vrai, mais on voit des nouvelles petites choses en décoration. Nouveau lit, nouvelle table de nuit que j'aime bien, c'est un fauteuil un peu à bascule, alors est-ce qu'on va basculer avec, je ne sais pas, et le lit pour les bébins. C'est pas encore la traduction officielle. Ici, qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir l'extérieur un peu, et on voit qu'il y a des jeux sur la terrasse sous une pergola. Donc, à mon avis, jeu pour bambins et enfants, hein, et bébins peut-être. Voilà, et on voit encore les magnifiques plantes, les plantes, plus il y en a, plus ça va. On voit ici qu'effectivement, si les Sims n'ont vraiment pas les mêmes centres d'intérêt, si c'est vraiment la totale opposition, l'un aime, l'autre déteste, ils vont pas s'entendre. Parce qu'en fait, là, c'est super, on nous a ajouté des trucs qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Ça arrive peu quand même que les Sims ne s'entendent pas. On arrive quand même à assembler les pièces. Et donc, on pourra avoir des mauvaises compatibilités. Ce lieu a l'air très sympa avec comme ça les petites arches comme ça. Ça doit être dans un parc, dans une rue, avec une nouvelle coupe de cheveux et tout. Alors j'imagine que ça c'est les parents de la nana. Donc le papa, le papy quand il était jeune. On coupe de cheveux, nouvelle fringue. On voit encore d'autres petites choses derrière et tout en décoration, les fenêtres. Le parc aquatique, et lui il a des wipes et plein de grains de beauté, ou alors c'est des boutons, je sais pas trop, ça c'est un peu bizarre. Oh putain, il a des vergetures. Oh génial, je pourrais update ma Simself. C'est génial. Les Sims, c'est pas censé nous faire oublier un peu le quotidien, s'amuser. Ouais, je suis pas sûre.
Ouais, ils sont très colères, le truc là, c'est pas mal ça, c'est... j'aime bien l'icône. À voir comment, pourquoi, hein, à tester. Là il est solo devant sa télé en train de manger un plateau repas, dans le cadre il y a sa femme. On dirait qu'il est quand même dans un appart avec la vue sur le pont, je sais pas trop. Et là, ce magnifique gamin qui a la tête dans le gilet. Attends. Et lui du coup, il aime pas. C'est pas qu'il aime pas, mais c'est difficile, donc ils peuvent être proches, distantes, relations difficiles. Jokester, je vois, j'arrive pas à voir ce que c'est Jokester. Jokester veut dire farceur. Ok. Ça, c'est strictement dégueulasse, l'énorme P dégueu, et après on a la couche qui déborde de merde. Oh, ça dégoûte. Bon, on voit le nouveau sticker, des serviettes, encore des petites babioles ici, un nouveau coffre à jouer, et sûrement, je pense, soit une moquette, soit un tapis, mais je pencherai plus sur la moquette. Et donc on pourra aussi laver les machins là. Dans la baignoire avec un nouvel ustensile, super. Le tapis sur lequel le machin va se retourner. Oui, bah le machin, c'est plus facile à dire qu'autre chose. Hein. Aïe, 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 aïe. Donc, apprendre à marcher, hein, comme l'époque dans les Sims 2. Et là, méga câlin, je sais pas si ça va exister réellement, mais je pense que si l'animation était faite pour le trailer, c'est-à-dire qu'on l'aura. Ici dans la chambre, on a un nouveau beau canapé en cuir. Avec un plaid, un coussin, on a un... Oui, c'est quoi ça? C'est un énorme miroir, mais est-ce que c'est un meuble? Ouais, c'est un meuble un peu... Un... Oh, c'est magnifique ça, c'est très très beau. On voit mieux les coussins, ils ont des petites bouboulettes partout. Le lit, là, derrière la tête, vous avez la valise ouverte. Je pense que c'est aussi pour ramener les sacs de couchage, pour pouvoir dormir ailleurs que chez soi, sans être viré. Et ça... Nouvelle lampe ici, y a des nouveaux cadres ici aussi. Si on pourra même foutre en l'air les puzzles quand ça nous énerve. Et la rue, ça doit être une fausse maison. Parce que les vitres sont complètement blanches. Et en plus, il y a une fausse voiture. Donc, mais c'est la rue, voilà, la rue dans laquelle on va pouvoir faire du vélo. Ici, on est dans la cabane dans l'arbre. Nous avons un phare. Alors, dans la cuisine, écoutez, ben, je pense qu'il n'y a rien de trop neuf. À part les comptoirs, le truc de poivre comme ça, on l'a... Je suis pas sûre qu'on l'ait. Aïe, 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 aïe. Finalement, dans le fond, tout le monde s'aime. Hein. Ah, c'est beau, hein. Quelle morale, hein, les Sims, hein, franchement, si vous étiez pas là. Faudrait vous inventer. Et voilà, la petite maison. Donc, on a bien un petit phare, on a un petit port. Il y a l'air d'avoir en tout cas cette maison-là, je pense peut-être celle-ci. Il y a l'air d'avoir peut-être 3-4 maisons, à mon avis, comme d'habitude, à pouvoir modifier dans ce quartier. Ça a l'air quand même assez paisible, on va dire. Et voilà pour ce trailer. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez hâte de voir et de tester grâce à ce trailer gameplay. Qu'est-ce que vous voulez voir? Moi, j'ai envie de voir, je pense, les compatibilités, en vrai. Voir si vraiment les opposés restent opposés ou ici... peuvent s'attirer à un moment donné. On peut le faire hein, avec une relation difficile. Est-ce qu'on peut quand même se rapprocher aux compagnies et compagnie? Je pense que je testerai ça. Le mot de la fin, ce sera abricot. Moi, je vous embrasse et je vous dis à très vite pour la suite des aventures sur la chaîne. N'hésitez pas à nous rejoindre sur Twitch également. Et la chaîne VOD, hein, elle est toujours dans la description. Je vous fais des bisous. À très bientôt. Ciao, ciao.